And I start. Stallone is a cop called Cobra. Bonjour à tous mes fidèles sujets. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le Steelbook Blu-ray du film Cobra. Donc, c'est un film de 1986 réalisé par George Pan Cosmatos, avec dans les rôles principaux Sylvester Stallone, Bridget Nielsen, Rainy Santoni, Brian Thompson et Andrew Robinson. Donc, c'est édité par Warner Bros. Le Steelbook est de finition spot gloss. Donc, on va regarder ça de plus près. Alors, je n'ai pas eu de problème de pen chip, hein, contrairement à pas mal de personnes quand même, pour avoir enlevé le blister et laissé, entre guillemets, hein, reposer le Steelbook une journée. Et puis après, j'ai retiré le G-card délicatement et pas de souci. Alors, sur ce recto, on a l'affiche originale du film avec des effets spot gloss sur les lunettes et sur le titre du film, ainsi que sur Stallone également. Donc, on va regarder ça de plus près. Voilà, donc les lunettes ici. Et donc, Stallone et Cobra. Donc, encore une fois, c'est simple et efficace. Hein, on n'en demande pas plus. Au verso, on retrouve le visuel donc d'une des scènes explosives, hein, du film, avec aussi un joli spot gloss. Hein. Et donc, également, le pavé habituel, hein, qu'on retrouve ici en bas, malheureusement. Sur la tranche, on a le titre du film Cobra et le logo Warner Bros. À l'intérieur, on retrouve donc juste le Blu-ray du film. Donc on a droit à un joli artwork interne en noir et blanc avec une continuité. Donc déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, hein, c'est un très beau steelbook. Pour 15 euros, on en a clairement pour notre argent. Hein, et ça montre que les steelbooks peuvent être soignés. Donc, messieurs les éditeurs, s'il vous plaît, faites des efforts. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est assez mitigé. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 2K. Le niveau de définition et de détail est globalement moyen. On est plutôt éloigné, hein, des standards HD actuels, sans compter des couleurs délavées, un grain assez présent, ainsi que des poussières et autres fourmillements également. Bref, il s'agit d'un Blu-ray vraiment daté, hein, que nous propose Warner Bros. Et franchement, un nouveau transfert HD ne serait pas de trop. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur George Pan Cosmatos, un making-of et enfin la bande-annonce du film. De quoi parle le film? Depuis plusieurs mois, une mystérieuse série d'assassinats d'une sauvagerie sans précédent est commise dans la ville. La police, à bout de ressources, fait appel au lieutenant Marion Cobretti, dit Cobra, un flic de choc qui vient de mettre fin à une prise d'otage dans un supermarché. Alors, j'ai découvert le film sur Canal+. Là où certains voient du kitsch, hein, moi je vois la magie des années 80. C'est exactement à ça que me fait penser Cobra. Un film d'action qui comporte tous les codes des années 80, le tout avec un sly au top. Que demander de plus? Les scènes d'action sont bonnes, les répliques sont bien drôles. Et Stallone et Nielsen forment un bon duo. Le scénario est complètement aux fraises, hein, et finalement assez niais, mais c'est ce qui faisait tout le charme, hein, de cette époque, et c'est ce qui manque au cinéma d'action de nos jours. Bref, même s'il reste simpliste, prévisible et pas forcément un des meilleurs slides pour ma part, Cobra n'en demeure pas moins un bon divertissement, assez jouissif et bien ancré dans son époque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.